Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui a eu peur de la réincarnation de Kurama dans son corps. Si vous voulez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La perte de Kurama a été accablante. Non seulement pour Naruto, qui a perdu un frère de sang et d'âme, mais aussi pour le monde Shinobi. Après tout, il s'agissait de l'une des entités les plus puissantes du monde, celle qui était capable de contenir et de gérer des pouvoirs aussi importants que ceux d'un Otsutsuki. Cependant, maintenant qu'elle n'est plus parmi nous, nous nous interrogeons beaucoup sur ce qui va se... Kurama pourrait-il revenir d'une manière ou d'une autre? Sa mort nous a-t-elle indiqué une telle chose? Ne serait-elle pas simplement en train de se réincarner et d'apparaître ailleurs? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Le fils de Naruto doit-il vraiment avoir des moustaches dans Boruto, Naruto Next Generation? En tant que l'un des protagonistes les plus célèbres de l'anime, une grande partie du design du personnage de Naruto Uzumaki est devenue iconique. La veste orange vif, le bandana ninja feuille cachée, l'écusson Uzumaki en forme de tourbillon, autant de traits caractéristiques du futur 7e Hokage. Naruto est également connu pour ses moustaches, avec trois marques qui s'étendent sur chaque joue depuis le jour de sa naissance. Il convient de noter que, bien que le terme moustache soit souvent utilisé pour les décrire, les lignes sur le visage de Naruto ne sont pas de vrais cheveux, mais des marques qui ressemblent à des moustaches. Les marques de moustache de Naruto peuvent être attribuées au renard à neuf queues, Kurama, la bête redoutable piégée dans le corps de Naruto. Kurama possède également trois moustaches sur chaque joue, en miroir de ses jinkriki. Étrangement, cependant, le fils de Naruto est né avec des taches similaires sur son propre visage. Boruto Uzumaki a deux lignes sur chaque joue, au lieu de la série typique de trois, bien qu'il n'ait jamais hébergé une bête à queue dans son corps. Il en va de même pour Himawari, la fille de Naruto et Hinata, qui partagent la double moustache de son frère aîné. Les moustaches de Boruto peuvent sembler étranges au premier abord, comme si Masashi Kishimoto voulait que son nouveau protagoniste ressemble le plus possible à Naruto. En fait, les marques de moustache de Boruto Uzumaki sont parfaitement logiques, et l'explication qui se cache derrière elle remonte à l'origine de la moustache de Naruto. On croit souvent à tort que les moustaches de Naruto se développent parce qu'il est le bénéficiaire de Kurama, alors que les marques étaient en fait présentes dès la naissance, avant que Konoha ne scelle le renard à neuf queues dans son corps d'enfant. La véritable raison pour laquelle le bébé Naruto est apparu avec des marques de moustache est sa mère, Kushina, qui était le Jinkriki de Kurama avant Naruto. Le corps de Kushina contenait le renard à neuf queues lorsque Naruto a été conçu, et il a passé les 9 mois suivants à se développer à proximité du chakra de Kurama. Même si Naruto n'avait jamais hérité du monstre, il aurait toujours exactement les mêmes moustaches. Cela explique également pourquoi Boruto et Himawari sont nés avec des marques similaires. Kurama résidait dans Naruto lorsque leurs deux enfants ont été conçus, ce qui a dû être étrange pour toutes les personnes concernées. Comme Naruto lui-même, le chakra du 9 Kauda était présent au stade du développement, donnant à Boruto et Himawari les mêmes marques de moustaches que leur père. Malheureusement pour les jeunes, cet attribut est purement cosmétique. Boruto et Himawari ne possèdent pas le chakra des 9 Kauda, tout comme les moustaches de Naruto ne lui ont pas donné de capacité supplémentaire. Nous pouvons également supposer que la raison pour laquelle les enfants de Naruto n'ont que deux moustaches sur chaque joue dans Boruto, Naruto Next Generation est due à leur moindre exposition à Kurama. Naruto a passé 9 mois à se blottir contre le renard à l'intérieur de sa mère, d'où un plus grand niveau d'influence. Le père Jinkriki de Boruto et Himawari était leur père, ils n'ont donc pas été exposés à Kurama comme le bébé Naruto. Cette théorie est soutenue par les frères et sœurs d'or et d'argent, Jinkaku et Kinkaku, qui ont développé trois moustaches sur leurs joues en mangeant la chair de Kurama, une façon super directe de se coaliser avec le chakra des 9 Kauda. Il y a des années, avant la première guerre mondiale Shinobi, les frères d'or et d'argent se sont fait un nom en tentant de capturer le renard à 9 queues pour leur village. Au lieu de cela, ils ont été entièrement avalés par la bête. Les frères survécurent à l'intérieur de Kurama pendant 2 semaines en mangeant la chair de la bête, ce qui amena le renard à les régurgiter. Cela leur a laissé des réserves de chakras exceptionnellement grandes et des capacités semblables à celles des Jinchūriki. Cela nous amène à penser que oui, Himawari et Boruto ont tous deux été correctement exposés au chakra de Kurama, ce qui les a amenés à avoir les stries sur leur visage. Par conséquent, nous pourrions dire qu'une partie de leur chakra est entrelacée avec celui des propres enfants de Naruto. Cependant, Kurama n'est plus de ce monde. Au fil des années, les séries Naruto et Boruto ont montré de nombreux moments déchirants avec de nombreuses morts tristes et autres tragédies. Cependant, la mort de Kurama est peut-être la plus douloureuse et la plus triste jusqu'à présent. Les téléspectateurs ont été choqués lorsque le chapitre 55 de la série dérivée de Naruto, intitulé « Boruto, Naruto Next Generation », a été publié cette semaine. Des rumeurs circulaient depuis des semaines, voire des mois, sur la mort de Naruto,
mais personne ne l'avait vu venir. La mort de notre personnage d'anime bien-aimé a fait le tour d'Internet en quelques heures, les gens ne cessant de poster des messages à son sujet et de partager leurs opinions sur cette scène tragique. L'ancienne bête à 9 queues avait joué un rôle important dans la série depuis le tout premier épisode de Naruto. Maintenant qu'il est parti, de grands changements sont sur le point de se produire dans le village des feuilles, en particulier pour Naruto qui a passé presque toute sa vie avec Kurama. La mort de Kurama laisse derrière elle de nombreuses questions telles que va-t-il se passer ensuite ou quel effet sa mort aura-t-elle sur Naruto? Cependant, la question principale reste la suivante, comment Kurama est-il mort exactement dans la série? Il est presque impossible de tuer la créature, car elle est la plus forte, même parmi les autres bêtes à queue. La puissance d'une bête à queue est une chose que les humains craignent depuis des siècles, et Kurama, étant le plus fort de tous, a toujours été invincible. Naruto et Kurama ont utilisé le mode Baryon contre Ichiki et Otsutsuki, ce qui a provoqué une surconsommation de chakra chez Kurama et l'a tué. Le chapitre 55 de la série commence avec Naruto parlant à Kurama dans son subconscient. Naruto croit qu'il est mort, mais Kurama l'interrompt et lui dit qu'il est venu lui dire au revoir. Kurama dit que c'est leur dernière conversation et demande à Naruto de commencer à parler. Naruto ne sait pas par où commencer, alors il commence à parler de la mort de ses parents et dit que tous les deux ont vécu beaucoup de choses. Naruto dit qu'il est heureux d'avoir Kurama à ses côtés toutes ces années et le remercie pour cela. Kurama semble déçu de voir Naruto parler si peu. Kurama dit que le mode Baryon a fonctionné et qu'ils ont pu vaincre l'Otsutsuki. Il semble assez détendu par rapport à la situation. Kurama plaisante même en disant qu'il ne voulait pas courir après sa propre queue et mourir en vain, ajoutant que ce n'est pas une mauvaise façon de mourir. Il explique ensuite à Naruto que même si un Jinchūriki meurt lorsque quelqu'un extrait la bête du corps d'un autre, cela ne s'applique pas lorsque le chakra de la bête disparaît simplement. Kurama ajoute ensuite que même si Naruto semble mort aux yeux des autres, il va bientôt se réveiller. Cela surprend Naruto, et Kurama révèle finalement que le coût de l'utilisation du mode Baryon est sa vie, pas celle de Naruto. Il dit aussi qu'il a délibérément caché la vérité à Naruto parce que ce dernier hésiterait à utiliser ce pouvoir. Kurama dit qu'il doit partir et demande à Naruto de faire attention car il n'aura plus de pouvoir surhumain, ni personne. Kurama ajoute ensuite que si Naruto réagit de manière excessive, il rejoindra Kurama rapidement. Disparaît du subconscient de Naruto en lui disant d'être bien jusqu'à ce qu'il se rencontre à nouveau. Cela nous amène à penser qu'il pourrait se retrouver dans un avenir pas si lointain, mais pas nécessairement dans l'au-delà. Après tout, nous savons que les bijus, après un certain temps, sont capables de revenir à la vie. Le monde de Naruto est rempli d'allégories et de références à la mythologie qui peuvent facilement passer inaperçues pour les fans non avertis. La référence à la bête à queue est l'une d'entre elles. Le démon renard à 9 queues est depuis longtemps un élément important de la mythologie orientale. Dans Naruto, non seulement la bête à 9 queues, mais toutes les autres ont été créées lorsque le sage des 6 chemins, Hagoromo Otsutsuki, a divisé le chakra de la bête à 10 queues pour réguler sa destruction et sauver le monde. Ainsi, toutes les bêtes à queue sont faites de chakras. Les fans savent déjà comment le flux de chakras a atteint tous les êtres dans le monde de Naruto. En fait, tant qu'il y a du chakra dans ce monde, il est impossible d'anéantir complètement les bêtes à queue. Bien que cela soit hautement improbable, c'est possible. En fait, il semble inévitable qu'avec le temps, Kurama renaisse à nouveau. Cela peut prendre des décennies ou même un millier d'années, mais cela peut toujours arriver. Le fait que Boruto ait montré aux fans la présence d'une autre jeune bête à 10 queues se cachant dans une autre dimension renforce encore cet argument. Cela s'est également produit pendant la 4e Grande Guerre Ninja, jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme originale, l'arbre chakra. Ainsi, tous ces facteurs indiquent que, même s'ils peuvent mourir temporairement, ils reviendront toujours dans une autre époque. Ainsi, il ne semble pas possible que les bêtes à queue périssent à jamais. Mais si, en réalité, au lieu d'apparaître après tant d'années, Kurama apparaissait non pas dans la nature, mais à l'intérieur de Boruto. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Académie des Ninjas préférée.